Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. De vous déranger, l'Inquisition est en marche afin d'apporter ici un peu d'esprit pur dans ces âmes. Qu'est-ce que c'est que cette sorcière? Elle est là, grand inquisiteur. Elle est là, je la reconnais. Cependant, ma sœur. Il m'a l'air de faire bien le malin, lui. Ah oui. Oui, bonjour, monsieur, dame. Messieurs, dames, bonjour. Je vous explique. Je suis le grand inquisiteur. Et si je suis aujourd'hui présent, c'est parce qu'on nous a dit qu'un certain dessinateur de presse n'avait de cesse que de se moquer de tout le monde. Alors, évidemment, nous ne cherchons pas la dénonciation. Non, bien sûr. Jeune homme, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Pas, j'ai quelques questions à vous poser. Non, non, ne vous inquiétez pas, jeune homme. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous pourrez repartir comme vous êtes venu. C'est-à-dire bon, c'est, ou quoi? C'est pas moi, j'ai rien fait, moi. Oh, suffit. Oh, regardez, mon frère, le feu est déjà allumé. Oh, quelle nouvelle. Ah, formidable. C'est pas encore l'heure de manger, je vous signale. Il est craqué. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe tout de suite. Il s'installe sur la table immédiatement. Vous avez l'habitude, jeune homme. Non, mais j'ai ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Tout simplement, je vais vous demander si vous avez des informations sur ce fameux dessinateur. Alors, là, aucune. Qui n'a non. Ah, non, aucune. Non, aucune. Un numéro non. De téléphone. Non plus. Aucune. Un fax. Un Facebook. Un Twitter. Vous n'avez non, rien. Jamais. On n'a rien du tout. Ah, vous croyez qu'à cette époque-là, ça existe, vous? Un Twitter, un Facebook, un numéro de portable. Assez. Vous me décevez, jeune homme. Bon, écoutez, je ne vois pas du tout ce que je vous invite à repartir, ici, donc je vais y aller. Et les merci millions beaucoup de spectateurs merci qui nous regardent. Inquisiteur ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez trouvé ça dans son jean ? Regardez dans la poche de son blue jean. Où arrêtez, menteur ! J'ai un affreux doute. J'ai l'impression que c'est une perruque de sorcière. Mais oui, regardez ! Oh, seigneur ! Mais oui ! La sorcière Alex ! La plus terrible sorcière de la chaîne VO. C'est le mépris. C'est le mépris, espèce de crapaud. C'est le mépris. Dans l'autre sens, on n'est pas chez le kiné, hein. Allez, dans l'autre sens, voilà. Il se croit chez le kiné, lui. Alors là, autant vous dire, sorcière Alex, que vous êtes dans une mauvaise posture. Il se laisse pas faire, hein. Voilà. Morbleu. Chut, tais-toi. Regardez, mesdames et messieurs. Regardez comme Satan l'habite, mesdames et messieurs. Regardez, le mal est en lui. Il va bientôt grimper au mur. Chut. Mesdames et messieurs, à partir de maintenant, c'est très simple. Soit Alex accepte de reconnaître que c'est une sorcière, et dans ce cas-là, nous le ferons périr sur ce bûcher. Soit il refuse de reconnaître... C'est pas une sorcière ! Refuse de reconnaître que c'est une sorcière. Et dans ce cas, nous le torturerons. Jamais, tu m'entends ? Jamais ! On ne touche pas le grand inquisiteur, hein ! L'inquisition est un métier difficile. Viens ! Nous allons... Il a l'air un peu tendu, mesdames et messieurs, donc ce que je vous propose, c'est de le détendre, si vous le voulez bien. Alors, il faut savoir que Alex n'est pas une grande personne. Il va pouvoir gagner si facilement 2 à 3 cm à l'aide de la méthode de torture que nous propose ici frère Arthur. Allez-y, frère Arthur. Je suis déjà étendu, bande de cons. Voilà, voilà. Il paraît que vous voulez gagner des centimètres, Alex. Voilà. Très bien. Alex, avouez-vous être une sorcière et acceptez-vous de périr sur le bûcher? Jamais. J'ai l'impression qu'on est tombé sur un sadomaso. Il va falloir passer. Il va falloir passer à plus hard. Mesdames et messieurs, nous allons être obligés de passer à la méthode du ligili. Allez-y, mon frère. Alors allez-y, oui, c'est une méthode que j'affectionne particulièrement. Oui, c'est la méthode du ligili. Absolument, mon frère, absolument. La méthode du ligili. Je dessine comme un pied. Voilà. Regarde. C'est pas moi. Voilà. Non. Qu'est-ce qui se passe? Grand inquisiteur. Oui. Bah, je peux pas travailler, moi, regardez, c'est bourré de champignons. Non, attendez, attendez, c'est fini, on en a besoin, enfin, c'est pas une sorcière, ça se voit bien. Enfin, moi, je voulais lui faire un petit peu quand même de... Non, non. La méthode du c'est pas moi. Mais regardez, on va passer par ici. Ah oui, on va passer par ici, c'est lui. Allez, vous. Applaudissements pour la compagnie, l'éléphant dans le boa. Qui est avec nous. Ça va, mon petit Alex, vous êtes en forme? Les salauds, ils m'ont eu. Magnifique, cette petite table de torture.